Bon, très 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 bien. Alors, je vais voir, recette très facile. On a quoi ici? Ici, j'ai des pommes de terre que j'ai cuites à l'eau. Environ 3 ou 4 pommes de terre. Vous les cuisez à l'eau, vous les égouttez. D'accord? Bon, je les ai cuites environ 25 minutes. Vous mettez un petit peu de sel, ok? Donc là, regardez, on va bien les écraser. Voilà, tranquillement, on va les écraser tranquillement. Ici, j'ai 2 œufs cuits, ok? J'ai un peu de moutarde. Alors, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Prenez du ketchup ou prenez autre chose. Ici, j'ai un peu de sauce algérienne, d'accord? Prenez la sauce que vous avez à la maison, ok? Et ici, on a du fromage râpé, c'est tout. Donc la recette, elle est très simple. Pour l'instant, on écrase tout ça, ok? Et on se retrouve tout de suite. Bon, très simple. Ici, on a de la vache qui rit. On va prendre 3 morceaux de vache qui rit, ok? De portions de vache qui rit. Mettez-moi en commentaire quel est votre fromage préféré ou alors quel est votre fromage d'enfance? Quel est le fromage que l'on vous a fait consommer étant petit? Ok? Donc là, on va mélanger tout ça. On va pouvoir rajouter en même temps un petit peu de sauce, soit sauce algérienne, soit du ketchup, ça marche aussi. Ou si vous voulez pas, n'en mettez pas, on met 2 cuillères à soupe. Ça va apporter, ça va relever et apporter un peu plus de saveur. Ici, j'ai de la moutarde. Alors la moutarde, je sais que c'est difficile d'en trouver, mais moi, ça fait pas plusieurs jours, pas plusieurs semaines, pas plusieurs années que j'en ai qui traîne au frigo. Là, j'ai ça qui traîne au frigo, donc je vais quand même le mettre. Ok. Ensuite, on va voir mélanger dans un premier temps, puis après on va rajouter les œufs durs. Hein. C'est des œufs durs que j'ai là, hein, d'accord? Je vais vous les montrer. On va les rajouter dedans et peut-être qu'on va les râper dans une passoire. Je vais voir. Ok. Après, moi je vous ai montré cette recette. Vous mettez ce que vous voulez dedans, des oignons hachés, des tiges d'oignons verts. Vous pouvez mettre de la tomate séchée dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, d'accord? Je vous montre une recette simple. Vous pouvez même faire la version au thon si vous le souhaitez. Vous mettez une boîte de thon, ça marche aussi. Mais là, je vous montre un truc simple à faire chez vous, tranquillou. Ok? Je récupère ici un récipient, voilà, et je viens comme ceci écaler les œufs. Bon, je vais récupérer ici la passette. Et essayer de voir si je peux râper comme ça les œufs. Je n'ai jamais fait ça. Non, je suis en train de galérer. J'ai pas envie de galérer aujourd'hui. On remarque ici, ça a passé, mais j'ai pas envie de galérer. Je vais y aller directement comme ceci. Je vais prendre le temps. Pareil, je vais prendre l'œuf là. Hop, là, on va le couper en 1000 morceaux. Comme ceci. Et pareil, on va venir tout écraser. D'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Ouais, pour les œufs, faites pas comme moi. Il suffisait de prendre la râpe et de les râper, mais moi. Oh là 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 là, je réfléchis pas des fois, moi. Bon, j'ai goûté, ça manque un petit peu de sel. Allez, on va mettre un peu de sel. On va légèrement poivrer. On peut mettre à ce stade-là un petit peu d'huile d'olive, hein, si on veut, là. Si on veut un petit goût d'huile d'olive. Hop, là, voilà, un petit peu. On va pouvoir rajouter donc le fromage râpé. Et après, on goûte et on voit si c'est bon, hein, si ça suffit. Hein. Pour moi, ça suffit. Là, en ce moment, on est en période, alors il y en a qui vont se moquer de moi, on est en période inflationniste. Donc on va essayer de. Je suis content, j'ai sorti mon mot là, ça fait longtemps qu'il me démangeait ce petit mot. Je me suis dit, mais quand est-ce que je vais avoir l'occasion de le sortir? Et vous moquez pas, s'il vous plaît, merci. Et voilà, donc on est en période inflationniste. Il va falloir faire attention, rationner, faire attention, pas trop gaspiller, ok? Donc des œufs, des pommes de terre, vous devez avoir ça à la maison, hein. Normalement, hein, si vous revenez de course, vous avez tout ça. Bon, j'arrête de parler, moi je mélange tout ça, et puis après on va essayer un truc, on va étaler pardon, du pain de mie, et on va essayer de mettre cette préparation dedans. Okay? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas gagné, hein. On va essayer, on va voir. Ah oui, déjà, froid c'est bon, mais alors chaud, ça va être une tuerie, hein. Alors, on se retrouve tout de suite. Très bien, je récupère ici un paquet de pain de mie et on va venir étaler. Alors, ce sont des pains de mie, on va les étaler. Ce sont des pains de mie avec, voilà, avec, vous avez compris, hein, sans la croûte. Okay? Donc, je les étale tous et on se retrouve tout de suite. Bon, très très bien, hein, ça y est, je les ai étalés, j'ai mis ça sous plastique pour pas que ça sèche. Ok, vous pouvez récupérer le plastique du pain de mie. C'est pas très grave. Ensuite, ici, j'ai de la vache qui rit. D'accord? C'est ce qui va me servir de colle. Si vous n'avez pas de vache qui rit, écoutez-moi bien, les amis, l'astuce, si vous n'avez pas de vache qui rit, vous prenez un petit peu de farine, d'accord? 3 cuillères à soupe, par exemple, dans un bol.
Vous mettez 6 cuillères à soupe ou 5 cuillères à soupe environ de d'eau, hein, d'accord? Et vous formez une colle naturelle, d'accord? Vous allez vous retrouver avec une pâte, et cette pâte-là, vous allez pouvoir l'étaler. Donc la vache qui rit ou la pâte dont je vous ai parlé, c'est de la colle, les amis. On a besoin de coller le pain de mie, ok? Alors, si vous voulez économiser, vous pouvez en mettre que sur le côté. Hein, vous mettez de la vache qui rit ou de la colle que sur le côté. Ça va vous permettre de coller. Ok? Donc là, déjà, on a fait ça. Alors, là, une fois qu'on a fait ça, peut-être que je vais rajouter un peu plus de colle ici. Ok? Bon, allez, voilà. On récupère ici notre préparation. Ok? On a mis. Voilà, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez. Allez voir sous le pack de lait, là, depuis 15 jours. Je suis sûr que vous avez une feuille d'épinard qui est en train de sécher dessous, là. Allez la chercher, les amis. Sous le pack de lait, vous avez certainement quelque chose dans les frigos qui traîne depuis un petit moment. C'est le moment de le passer. Et il va être content. La feuille d'épinard complètement séchée là sous le pack de lait depuis 15 jours, elle va vous dire, eh, merci! Je pensais que tu m'avais oublié. Ok? Pourtant, j'ai pas de telle amont aujourd'hui. Hein. J'ai pas voulu en faire, je me suis dit ça va me rendre dingue, donc je vais m'en passer. Donc là, vous voyez déjà, on a quelque chose de pas mal du tout. Hein. Cette recette. Je ne l'ai pas encore vu sur YouTube. Maintenant, si vous la regardez en 2029, ne me dites pas, ouais, il y en a qui l'ont fait déjà. Ben ouais, mais pour l'instant, on est en 2022 et je ne l'ai pas encore vu sur YouTube, ok? Tu peux aller chercher, hein. Ok. Donc là, regardez. Les œufs, si on avait pris la râpe, hein, si, voilà. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous faites-le. Prenez la râpe et ça va vous aider. Ok? On récupère ici, vous voyez ce que je fais? Voilà, une deuxième tranche. Et là, on va venir souder. Ok, on soude. Alors attendez, on va déjà appuyer comme ceci dans un premier temps. Ok, et ensuite on va venir souder. Alors pour souder, on va juste pincer comme ceci, vous pincez. Ok, et ensuite on va les paner et les cuire tranquillement. Donc essayez de bien pincer. Si vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment de colle, ben vous rajoutez un petit peu de vache qui rit ou un peu de farine mélangée à de l'eau, hein, d'accord? Ok, pour former justement votre soudure. Hein. Vous voyez, regardez-moi ça. Là, c'est une petite recette qui revient pas cher. Recette inflationniste contre l'inflation, les amis. Vous allez voir. Vous allez faire des heureux et des heureuses. OK? Une fois que c'est fait, on va déposer ça pour l'instant sur une assiette. On appuie bien comme il faut. On peut même répartir un petit peu la préparation dedans, comme ceci. On appuie bien. Et on va venir déposer ce pain de mie sur une assiette pour l'instant. Regardez. Là. Soit vous mettez un plastique par-dessus, ou soit vous le recouvrez avec quelque chose pour éviter que ça sèche. D'accord? Ok? Allez, je vais continuer ainsi de suite et on se retrouve juste après. Bon, très très bien. Ici, j'ai de la chapelure. On vous en remettez au fur et à mesure. Hein, d'accord? On va mettre un petit peu de sel dessus. Ok? On va mettre également un petit peu de sel aussi avec les œufs. Donc là, pour l'instant, 4 œufs. Ok? 4 œufs avec. Avec environ 5 cuillères à soupe de lait. D'accord? On ne met pas de farine pour cette recette. Il n'y a pas forcément besoin. Donc là, je mélange. Et avec la main gauche, je mélange ici. Alors, est-ce que les hommes sont capables de faire deux choses en même temps? Eh bien, ouais, regardez les amis. Eh ouais, je sais que les femmes, elles sont capables de faire plusieurs choses en même temps. Mais bon, nous aussi, hein, on n'est pas des brebis galeuses. Hein. Bon, mélanger comme ceci, vous avez compris. Hein. Voilà, c'est fait. Ok. Alors, maintenant, on passe aux choses sérieuses, d'accord? Ouais, vous mettez le papier comme ça pour pas que ça sèche. Alors attendez, on va faire un truc. On va faire de la place parce que j'ai pas envie de salir trop de vaisselle. Il y a une fourmi, vous la voyez la fourmi? Elle est là la fourmi. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais avec les fourmis là? C'est pas 30 millions d'amis ici là. La fourmi, faut bouger là. Hein. Faut bouger, c'est pas ça une fourmi, c'est propre. Hein. Allez, bouge s'il te plaît. Ouais, mets-toi juste sur le côté. Oh, il y en a partout là. Bon, c'est pas grave. Du moment qu'il n'y en a pas dans la nourriture, c'est le principal. Ok? Allez, ici, je prends donc mon pain de mie. Ok? On a les mains bien propres, évidemment. On les a débactérisées donc au vinaigre. On va venir retourner ici. Hop là, le pain de mie. Ok? Quand c'est fait, on le récupère tout doucement comme ça. Vous voyez? On égoutte. Parce que c'est la dèche, les amis. Hein. Il faut récupérer. Il faut rien jeter. Voilà, on la repasse, pardon, dans la chapelure. Ok, comme ceci. On va venir retourner ici.
Ok. Alors, si jamais vous voulez la version au four, comment vous allez faire? Dans ce cas-là, vous allez mixer la chapelure avec du gruyère, enfin du gruyère ou de l'emmental râpé, hein, d'accord? Vous faites ça, comme ça va vous permettre de faire une cuisson au four, donc 180 degrés pendant environ, enfin four préchauffé, 180 degrés pendant combien de temps? Pendant à peu près 15-20 minutes, ok, à surveiller, d'accord? Pour ceux qui veulent la version au four. Mais au niveau du goût, je vous assure que la version frite, elle est meilleure, ok? Donc là, hop là, vous voyez, on va mettre la chapelure par-dessus. Et je vais continuer donc ainsi de suite. Je mets l'huile à chauffer et on se retrouve tout de suite donc sur le feu, ok? Allez, à tout de suite. Bon, mais très bien, regardez, j'ai mis une pomme de terre dedans pour tester un petit peu la température de l'huile. Ok? Donc là, je trouve que ça va. Hein. Je retire la patate. Et je vais venir déposer... Alors, déposer mes petits pains de mie farcis. Alors, je pense que je vais y aller un par un parce que je vois que la poêle, elle n'est pas très grande. Ok. Voilà, attention, l'huile doit être moyennement chaude. Si elle est trop chaude, vous allez cramer. Si c'est pas assez chaud, vous allez avoir le pain qui va absorber trop d'huile. Hein, d'accord. Donc, l'idéal, la température idéale, c'est 170 degrés, 175 degrés environ. Ok. Alors, dès que ça colore dessous, je retourne, je cuis de l'autre côté. Ensuite, je débarrasse ici, donc sur une grille. Ok, voilà, et on va se retrouver donc tout à l'heure. Ok, normalement ça devrait aller assez vite. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe dessous. Voilà, ça a déjà commencé un petit peu à colorer. Ok, on va y aller un par un parce que là, si vous avez des poêles plus grandes, n'hésitez pas à les faire deux par deux. Donc là, je vais compter jusqu'à 10. Alors, et ensuite je vais retourner. Hein. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, 0, je retourne. Et hop, là, regardez-moi la couleur, elle est magnifique. Vous voyez? Donc là, on les cuit tranquillou. Des deux côtés, même couleur des deux côtés. Et on se retrouve juste après. Je vous garantis que la pomme de terre dedans, elle va être bien fondante. Avec une petite salade verte, vous allez faire des heureux et des heureuses. Allez, il est temps de récupérer ça. Voilà, directement sur l'assiette. Alors, entre chaque passage à l'huile, vous attendez quelques secondes pour que l'huile remonte un petit peu en température, d'accord? Ok, donc là, j'attends environ 10 secondes. Et voilà, alors l'huile, une fois que vous avez terminé, l'huile, vous la passez dans un chinois, donc en métal, hein, pour la filtrer, d'accord? Laissez pas l'huile avec les petits morceaux à l'intérieur parce que votre huile, elle va, vous allez la perdre, d'accord? Ok? Allez, je continue et on se retrouve donc tout de suite. On arrive en fin de vidéo. Allez, on va se couper un morceau là. On va couper comme ça, plutôt. Waouh! Vous êtes prêts? Oh, regardez-moi ça, les amis. Oh là là! Oh là là! Magnifique, magnifique. Je vous aime. À demain, les amis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye!